Yo la famille, yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous m'avez tous manqué pour un haul. Un haul, un haul. Attention, je prends mon petit thé. Hein. Alors, attendez, je prends mon petit thé. Ah, c'est chaud. Alors, vous m'avez tous manqué pour une vidéo que vous me demandez tous. Tous, et vous êtes trop sympa. Trop sympa. Aujourd'hui, j'ai fait un gros effort pour faire ce tournage pour rien que pour vous. Vous m'avez tous demandé sur Instagram, c'est quand tu fais des hauls actions, c'est quand tu vas faire des hauls et tout, tradrin. Et voilà, je suis rentrée à la maison et je vais vous faire un haul de action. On va faire un haul de action. Mais vous allez voir, il y a des nouvelles choses que vous arrivez, qui sont déjà en magasin. Et what the fuck, on est en mois de octobre, mais il y a certaines choses qui déjà arrivaient un mois avant que j'arrive à la maison. Je me dis, je dis, ah bon, ils font déjà des arrivages, déjà septembre, déjà pour le mois de décembre. Je vous donne un indice. Mais avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne de Morgan Makeup et de mettre un pouce bleu, des commentaires et partage surtout cette vidéo là et exposez les vues, les abonnements et plein de choses. Si vous m'envoyez des messages sur Instagram, bah bienvenue, bienvenue chez moi, abonne-toi sur Instagram Morgan Makeup YTB. Partage, mets des pouces, mets des corps, mets tout ce que tu veux, tu es la bienvenue. Vous faites tous, je suis trop contente de vous voir. Vous tous m'avez tous manqué. Alors maintenant que piaf et de blablablayer, on va commencer cette haul. Mais laisse-moi un petit boire un petit coup, t'es chaud parce que là j'ai froid et je bête. Bête Maisona, bête, elle a chauffage. Et on va commencer cette vidéo. Alors, toutes deux choses, n'oubliez pas que, comme d'habitude, les prix, je vous les affiche fur et à mesure quand je vous passe des articles. Alors, comme d'habitude, je prends du stockage pour les colis parce que vous savez que tout le monde est entre la famille, entre les concours, entre les partenariats et puis un petit peu plus de choses, voilà. Et je voulais te dire que je prends tout le temps les mêmes scotch et je t'affiche le prix. Donc c'est du scotch comme ça, tu as l'habitude de regarder. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et tu me connais au fur et à mesure, voilà. Donc on a des scotchs comme ça, on a des scotchs, on a du produit pour laver le lave-vaisselle. Alors j'ai trop bien aimé, j'ai déjà testé et le lave-vaisselle est nickel chrome. Alors je vais juste te donner une astuce, tu sais, pour nettoyer le lave-vaisselle. Si tu veux nettoyer ton lave-vaisselle pour que le truc il cale au niveau de lave-vaisselle, si tu as des picots, ou une panière à couvert, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves le bouchon, en fait, le petit papier dessus, et hop, dans le trou de couvert, et tu laisses couler. Mais par contre, il faut qu'il aille très vite pour le démarrer, pour faire qu'il fasse son travail. Mais là, je le donne en note 10 sur 10, mais je vous conseille de l'acheter. Il est vraiment très top, ce produit. Je t'affiche, à chaque fois que je vous affiche un produit, vous n'inquiétez pas que les prix sont affichés. Donc voilà. Alors, je voulais te montrer, comme d'habitude, j'achète les masques. Voilà, je t'affiche les produits, donc j'en fais montrer un par un. Donc voilà, le petit masque comme ça, j'ai trop aimé, j'ai déjà fait un tuto sur TikTok, voilà, en live. Et vraiment, j'ai trop aimé.
Donc, par contre, faites attention. Si vous avez les peaux sensibles, laissez maximum entre 2 et 5, hein. Ça dépend des peaux, mais je vous conseille, n'utilisez pas à 10, à 15 minutes, hein. À 15 minutes, hein. Si vous avez la peau très, 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 méga, très sensible. Si vous avez la peau naturelle, sans, pas sensible, c'est 10 à 15 minutes maximum. Donc, ce masque-là, le Bubble Sweat Mask au charbon, je te le conseille. Je te mettrai le prix. On a les nouveaux. Alors, les nouveaux, je vais te faire montrer. C'est celui-ci. Alors, lui, c'est au. Si je te. Au pamplemousse. Ouais, c'est au pamplemousse. Le pamplemousse, celui-ci. Et lui, c'est au cactus. Le cactus, celui-là. Lui, c'est au pamplemousse, hein. Oui, lui, c'est au pamplemousse. Lui, c'est au pamplemousse. Et lui, c'est au cactus. Et c'est le nouveau. Et celui-là, c'est comme d'habitude. Donc, ceux-là, ces trois-là. Que je viens te faire montrer, c'est le même prix qui est indiqué. Et le nouveau est arrivé pour le masque, voilà, la marque Crocostyle, voilà. Et c'est un petit crocodile, un tout petit crocodile, et je te le recommande. Mais par contre, je vous fais montrer des petits sachets, mais j'en ai pris plein, hein. J'en ai pris beaucoup, beaucoup. Énormément, j'ai dévalisé le magasin. J'ai dévalisé, hein, en masque. Hein, oui. Alors, ceux-là, je les ai jamais utilisés. J'ai jamais testé. Pour vous dire que c'est la première fois que j'ai testé. Et vraiment, j'ai testé hors en cap. Et vraiment, ça rebooste vos lèvres. Mais un truc de malade. Un truc de malade. Et là, ma lèvre était. J'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Ni j'arrivais à ouvrir la bouche, mais je n'arrivais pas à fermer. J'étais comme ça. Voilà, j'avais la lèvre comme ça. Et je te le recommande. Il y a celui-ci et celui-ci. Et c'est les mêmes prix que je vais t'afficher au niveau de la vidéo. Je vais te faire montrer un autre produit. Alors lui, c'est un masque naturel, un masque naturel au kiwi. Le kiwi, mais celui-là, ce sera pas pour moi, ce sera pour une personne. Voilà, une personne. Et celui-ci, c'est aussi un masque, je sais même pas, c'est la jungle. Voilà, c'est une crème. Oui, ça, c'est une crème. Il faut que je regarde. Je cherche la crème de main. Oui, ça c'est une crème de main. Ça c'est une crème de main. Alors, de jungle. Mais je crois que ça doit sentir de bon. Mais ça, ce sera pas pour moi non plus. J'ai acheté du shampoing. Deux en un. Voilà, j'ai acheté ce shampoing 2 en 1 et le gel, du gel pour le corps. Alors, j'espère qu'il n'est pas ouvert. Non, il n'est pas ouvert. Hop, j'ai acheté celui-ci. Et je voulais vous dire que j'ai acheté la palette. La palette, j'en ai acheté deux palettes comme ceci avec la couleur. Donc voilà, je disais au niveau de la palette que j'ai acheté pour deux personnes parce qu'elle avait gagné le concours sur Instagram. Ça faisait longtemps, longtemps avant mes vacances. Donc voilà, comme j'avais pas trop de temps et comme j'avais oublié. Donc voilà les couleurs, comment elles sont. Donc désolé si vous voyez des petits crash, ce que je viens me maquiller avec. Vous allez voir une prochaine avant cette vidéo là, vous allez voir, non, après cette vidéo là vous allez voir un crash test de cette palette là de Dreams. C'est moi qui enlève le plastique et c'est parce que j'ai fait un crash test de ce maquillage là. Donc voilà.
Donc t'inquiète pas, le prix va être affiché. Ah oui, je me suis racheté des blenders pour un prix 6 euros quelque chose. Et tellement que j'en avais plus, tellement que j'en donnais partout aussi. Et que les blenders à Action, ils sont au top. Et j'ai pas à me plaindre. Et ils sont très 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 bien. Donc voilà, je te recommande de les acheter si tu les souhaites. Elles sont comme ça. Il y a des tout petits. Tu vois, il y a des tout petits, il y a des gros en dessous. Donc je te les conseille, ils sont meilleurs. C'est les meilleurs que tu peux les avoir sur Action. Et que acheter en individuel, ça coûte plus cher qu'en acheter en individuel. C'est mieux acheter en lot. C'est plus modeste, plus avantageux et plus économique et plus moins cher que je te propose. Donc voilà. On va passer à l'essentiel comme d'hab. Hein. J'achète tout le temps des lingettes bébé à Action. Ceux-là, c'est les meilleurs. Et je suis partie avec. J'ai acheté deux lots comme ça quand je suis partie en vacances. Et c'est les meilleurs. Et vraiment, ma petite nièce, elle les a trop aimés. Donc elle ne les arrêtait pas de me les piquer. J'ai dit, non, vas-y, c'est bon, c'est prends, c'est pas grave. Et tellement que c'est les meilleurs que ma famille, la famille de mon mari et moi, on les aime beaucoup. Et c'est pour ça que je les reprends tout le temps celle-ci. Et c'est les meilleurs. Et je vais t'afficher le prix de ces paquets-là. C'est 1 euro, voilà, hein, c'est dans les 1 euro. Donc voilà. Alors j'ai pris, normalement je prends des gants de latex à Lidl, mais là cette fois-ci j'en ai trouvé à Action et bah, c'est à peu près le même prix, mais beaucoup moins cher que Lidl. Lidl c'est 11 euros quelque chose et je t'affiche le prix là, tu vas voir, je te mets le prix de Lidl et le prix de Action, tu vas comprendre quel prix est meilleur, donc tu vas mieux comprendre. Et voilà, le packaging des gants sont en taille S et c'est pratique quand tu fais le ménage dans cette pièce-là ou quand tu manipules de la viande crue, pour mettre la viande dans les sachets congélation ou pour cuisiner. C'est très pratique et même quand tu fais la viande avec des épices qui tachent tes doigts et tout, je te conseille, mets directement les gants, comme ça t'as les ongles tout propres et les mains tout propres. Je te conseille, donc voilà. Donc voilà. Ah oui, je me suis racheté une serpillière. Parce que la note, elle, c'est pas qu'elle est pas. Elle est pas. Elle est très usée, voilà. Elle est très sale. J'ai fait le gros ménage quand je suis partie des vacances. Et je suis revenue des vacances quand j'ai fait hier la pièce pour la rénovation de mon setup pour YouTube. Vraiment, la serpillière, elle est dégueulasse. Hein. J'en ai racheté pour au prix 89 centimes. Et je t'invite si tu veux à prendre. Et c'est fabriqué en Italie. C'est fabriqué de l'Italie et c'est du coton et la marque c'est Flormop et vraiment c'est bon, moi j'aime pas trop mais ça dépanne, mais comme on dit, j'ai dit plus tard, pas tout de suite mais un petit peu plus tard, changerai de seau de serpillière et je vais être tranquille, je vais être tranquille, donc voilà. T'affiche le prix et ne t'inquiète pas, je vais t'afficher ce prix-là juste à côté de moi. C'est pour ça que je me suis décalée un petit peu sur la caméra. Alors, on va passer aux piles. J'ai acheté deux lots de piles parce que pourquoi ces piles-là? Tu verras la suite pourquoi. À la maison, je galère pour les piles. Ceux-là et les piles grosses et les petites piles normales, vous voyez, ils sont comme ça. Et je galère et j'ai pas eu le temps à acheter. Et je dis, c'est pas grave, le mois prochain. Voilà, le mois prochain. Donc voilà, je t'affiche ces petites piles-là, juste le prix, juste à côté.
si tu es intéressé. Alors, je fais une pause, je reviens avec vous. Donc, je voulais vous dire encore la suite, j'en ai encore plein d'articles. Je voulais vous montrer que maintenant, c'est le pur moment de acheter des petites... Oui, vous voyez, des petits tapis en fausse fourrure, mais rondes, en petits. Et ils sont beaucoup moins chers à Action. Et la douceur, oh là là, j'ai envie de me frotter. Oh, j'ai envie de me frotter, mais je peux pas me frotter. Sinon, je mets du fond de teint sur mes petites tapis. Donc, j'en ai pris deux en gris. Je vais t'afficher le prix. Et c'est sûr que je vais m'en racheter à Action. Voilà. Je kiffe trop. C'est de la fausse fourrure. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est de la fausse fourrure, mais oh, moi je kiffe la fausse fourrure. Ah, je kiffe. Regardez-moi ça. Oh, c'est de la fausse fourrure. Oh my god. Oh my god. Oh, j'ai envie de me mettre ma tête dessus, mais je dis non. Non. Sinon, je vais salir. Alors, je t'affiche le prix de ce tapis fausse fourrure. Parce que ça se voit, c'est la fausse fourrure. Je t'affiche le prix juste à côté. Et tu vas voir que c'est très, 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 très intéressant le prix. J'ai un deuxième tapis que j'ai acheté en blanc. Mais là, c'est différent. Parce que tu vois, c'est pas pareil le tapis. J'en ai acheté deux en blanc. Et vraiment, ouais, c'est de la fausse fourrure. Donc j'en pose un et je te fais montrer juste devant toi. Alors c'est du... Alors la matière, attends, je te tire la matière. C'est du 52 polyester, du 48 acrylique et du toit de support 100% polyester. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui sont asthmatiques. Je voulais vous dire, ceux que vous êtes asthmatiques pour ces tapis-là. Je vais vous dire tout à l'heure cette matière-là. Si vous êtes asthmatique, je vous conseille les tapis fausse fourrure. Pourquoi ? La poussière ne retient pas sur les tapis fausse fourrure. Vous pouvez les laver en machine. Vous pouvez les laver en machine à laver. Mais en délicat. Programme délicat. En 30 degrés et 40 degrés. Programme délicat. Et vraiment, vous pouvez les laver à part. Pas avec les vêtements, mais tout seul à part. Voilà, tout seul à part. Je vous les conseille. Et pour le séchage, vous laissez sécher naturellement. Et après, pour la finition, pour que ça puisse avoir un beau au niveau, un beau poil, je vous conseille de passer avec le sèche-cheveux. Passez un coup de sèche-cheveux et vous balayez avec votre main en mettant sécher. En fait, vous mettez tapis à plat sur une table, vous prenez votre sèche-cheveux, vous balayez votre avec vos mains, vous voyez, vous faites comme ça, vous balayez comme votre main pour avoir la texture de du poil quand vous avez lavé vos tapis. Mais vous lavez pas vos tapis à 80 à 60 degrés, non, sinon vous allez abîmer au niveau de lavage. Je vous conseille de laver en délicat à 30 ou 40 degrés maximum. C'est juste un conseil. Après, si vous l'avez foiré, tant pis pour vous. Je voulais vous parler de cette matière aussi. C'est pareil, vous pouvez le laver en machine à laver. Bien sûr, tapez vos tapis, bien sûr. Hein, tapez vos tapis et tapez vraiment vos tapis avant. Vous pouvez le laver en machine à 30-40 degrés en programme délicat. Le sèche-linge pour le séchoir, pour la sécher votre tapis, je vous déconseille. Séchez plutôt en l'air libre et après la même astuce que je vous fais montrer le tapis. Alors là, cette fois-ci, je vais vous
la matière est 100% polystère. C'est du polystère et vraiment, j'adore. Ah, mais j'adore. Donc, ce tapis-là, je vous ai mis le prix. Je vous ai mis le prix. Ce tapis, je vais vous mettre le prix. Et je vous conseille de aller. Donc, je vous conseille d'aller. Désolée, il y a eu les pimpons-papons. Devant chez moi. Devant chez moi. Donc, voilà. Si vous entendez encore les pimpons, vous en estimez pas. C'est en bas de chez moi, c'est dehors. Voilà. Et donc, je vous conseille de faire comme ça. Donc, comme ça. Et comme ça, je suis bon conseil. Comme vous vous demandez, beaucoup de conseils, mais je vous donne un bon conseil. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà un tapis de fausse fourrure dans mon salon et j'ai jamais passé en machine. Mais bientôt, il va passer en machine à laver. Donc, voilà. Hop. Alors, maintenant, on va passer au sérieux. Donc, vous savez quand dans un mois, au mois de novembre, il y a beaucoup de gens, de clients fidèles à Action qui vont courir, mais maintenant courir dans toutes les enseignes, acheter des produits pour les fêtes de Noël et les fêtes de Jour de l'An. Donc, moi, je me suis préparée en avance. Je sais, il y en a qui vont dire, c'est pris en avance, hein. Ma gamme s'est pris en avance. Oui, pourquoi? Je me suis pris en avance parce qu'à chaque fois l'année dernière, j'étais chercher des produits pour la décoration de Noël. Rupture des stacks. Rupture des stacks. Rupture des stacks. Oh my god, rupture de stock. Mais what the fuck en fait? Donc, je voudrais dire que je me suis pris vraiment en avance parce que je voulais faire un truc de bien, rien que pour vous, rien que pour vous, mes abonnés sur YouTube, vous, derrière, et là, je vais vous faire montrer, rien que pour ce meuble-là, ici, aussi. Voilà. Je voulais vous dire que j'ai acheté de la fausse neige. Oh my god. Vous allez dire, what the fuck? Pourquoi de la fausse neige? Eh ben, vous verrez dans un mois. Je vais faire un vlog préparation décoration pour Noël. On va faire ça. Alors, de la fausse neige à Action, ils vendent ça. Ils vendent ça. Et moi, j'en ai pris deux. Mais je crois que je vais reprendre s'il n'y en a pas assez. Voilà. S'il n'y en a pas assez, j'ai pris de la fausse neige ici. J'en ai pris deux et j'affiche le prix. Alors, je vais te dire la marque. La marque, c'est Poyonchono. Magic Village 1,5 litres. Donc, j'ai pris 3 litres. Hein. En final, j'ai pris 3 litres. Et 100% recyclé. Alors, c'est de la poudre, c'est la neige en poudre pour toutes vos décorations d'hiver et de Noël. Voilà. Je vais faire pour Noël et après, je vais faire la décoration pour l'hiver. Donc, voilà. Si tu aimes tous les articles que je te fais montrer, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce. Ça me ferait plaisir, s'il te plaît. S'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et si tu es une nouvelle à abonner, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur la petite cloche juste en bas. Juste là, là. Juste en bas, là. Et tu as juste à mettre ici un petit pouce, là. Juste un petit pouce. Et juste en bas là, mets un petit commentaire c'est que si ça te plaît les articles que je viens te présenter. J'ai pas encore fini, mais c'est juste pour te rappeler. Voilà. Et t'es la bienvenue. Alors voilà, c'est les mousses en neige. Vous les faire montrer un petit peu plus près. Elles sont comme ça. Hein. Mais c'est tout petit, hein. C'est tout petit, petit, petit. Mais c'est mini, minuscule. Ça fait 1 millimètre. Ça fait 1 millimètre. Voilà. Alors, je voulais te faire montrer quelque chose, des petites décorations.
Des petites corrections. D'abord, je vais te présenter ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la languette pour te faire montrer la lumière. Mais attends, je suis obligée de descendre la lumière. Donc, je te présente la petite reine en LED. Et regarde. Oh my god, c'est trop bien! Attends, j'éteins, je te rallume, ok? Regardez! Oh my god! Oh, c'est trop bien! Non, mais il change de couleur! What the fuck? What the fuck? Bleu? Attends, j'attends un petit peu. Rose? Il fait rose? Non, mais. What the fuck? What the fuck? Donc, si ça t'intéresse cet article-là, qui change de couleur et de LED et de couleur, eh ben, je t'invite d'aller à Action. Je t'invite d'aller à Action, de le retrouver et je te mets juste le petit prix. Je te mets le prix juste ici et mets What the fuck? What the fuck? Il va être très beau. Il va être fixé. Je crois que je le mettrai derrière. Je le mettrai derrière quand je mettrai la décoration de Noël. Donc voilà. Hop. Alors après, j'ai un petit hibou. J'ai pris un petit hibou. Le petit hibou. Ah. Hop. Le petit hibou. J'ai pris un petit hibou. Il est pas mignon? J'ai pris un petit hibou. Tu veux te tourner? Merci. J'ai pris un petit hibou. Et comme j'ai trop aimé, bah, j'ai dit, allez, il va être dans la décoration de Noël. Et il va être dans la décoration pour l'hiver. Voilà. Lui, il ne va pas bouger encore. Donc voilà. J'ai pris un petit écureuil. Donc voilà. J'ai pris un petit écureuil. Pareil aussi comme le hibou. Je vais te mettre juste ici le prix. Et par contre, je vais le mettre en hiver, je vais le mettre à Noël, et voilà, avec son copain Hibou. Et j'ai pris le petit Père Noël le petit Père Noël. Là, la petite coche, là, la tête. Le petit Père Noël, ouais, le petit Père Noël. Mais par contre, je laisserai le bout, mais je le passerai comme ça. Hein. Je le mettrai comme ça, mais je laisserai poser, mais pas fixé sur le sapin. Voilà. Le petit Père Noël avec sa petite chaise là. Et ces petites voix là, ces petites voix, et j'adore trop. Et j'ai dit, oh, mais il est trop mignon et tout. Je disais à ma copine, ah, il est trop mignon, je vais le prendre. Je vais le prendre et j'ai dit, allez, je vais le prendre et je vais penser à quelqu'un de ma famille. C'est ma petite grand-mère. Ma petite grand-mère, elle a 82 ans. 82 ans. Et elle fait, mais je vais vous dire, c'est un truc de malade. Quand j'étais petite, elle faisait la décoration immense pour le Noël. Désolée mamie, mais je vais te dire, la décoration immense pour le Noël, ça veut dire que elle fait encore plus grand que moi. Elle fait un grand buffet pour toute la décoration de Noël. Elle fait un autre buffet, la maison plus la crèche, le village. Non, elle fait la maison, le village, elle fait les éléments pour le Père Noël et la crèche. Elle fait encore une crèche sous le sapin et le grand sapin qui fait 1 m 80, 1 m 80, et avec les grosses statues de Père Noël et de lutin. Je dis à ma grand-mère, je dis, mais t'es jamais fatiguée chaque année faire des décorations de Noël? Elle fait, non, j'ai l'habitude, j'aime bien faire ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci.
Donc c'est pour vous dire que ma grand-mère, elle est fan de Noël, elle est fan, elle fait des décorations mais immenses. Elle fait des décorations immenses en extérieur, à l'intérieur. Et je vous jure que je suis désolée, mais je suis fou rire, mais je suis vraiment, elle a du courage pour un certain âge. Je vous dire que ma grand-mère elle a du courage pour certains âges et vraiment chapeau. Je t'applaudis, mamie! Je t'applaudis, ma petite mamie! Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ma grand-mère, et voilà. Pour ce petit Père Noël, et il y en a d'autres décorations que je vais vous faire montrer une autre vidéo, mais qui ne serait pas action. Voilà. Encore pensé. Hop! Hop! Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai acheté des petits rondelles de bois avec du sapin. Donc c'est pareil, hein, ce que je vous ai fait montrer, celui-là, c'est pareil, hein. C'est la même chose et tout. Alors là, c'est sapin avec une petite étoile en bois, des pommes de pin bombées en argent, en or, or satiné, on va dire. Et avec des petits pommes, des trucs, des branches de pin. Mais attention, ne le prenez pas, surtout pas au bout, parce que ça pique. Ça pique, ça peut vous blesser, mais c'est, ça se voit, c'est artificiel. Et si vous faites frotter comme ça, sur ma table, là, c'est bon, j'ai sur ma table, c'est bon, j'ai plein de paillettes. J'en ai même sur mes doigts. Voilà, je ne vais pas trop frotter. Donc, voilà. Je voulais vous en faire montrer la dernière article de cette catégorie de la décoration, bien sûr. Donc, c'est pareil que la boule ici, là, que vous voyez. Je vais enlever ma tasse. C'est la boule qui est ici, là, qui est ici, mais pour saison automne. Voilà, saison automne. Si vous voulez, je peux vous faire montrer de près. Je vais là. Voilà, je vais vous la chercher. Donc, c'est saison automne que je vous ai fait montrer. Saison automne, mais que là, cette fois-ci, je vais la remettre. Attendez, je vais la remettre. Je la remets. Donc, cette fois-ci, c'est pour Noël. Regardez, il y a un petit. Je vais baisser la lumière pour que vous puissiez voir. Donc, il y a un petit Père Noël. Il y a un petit Père Noël ici avec sa maison, avec un sapin et le traîneau. Et le petit sapin derrière. Voilà. Et je veux l'allumer avec vous pour voir. Bah, je peux même pas l'allumer parce qu'il faut rajouter des piles. Mais quand vous inquiétez pas, soyez patient avec cet article-là. On va faire la décoration ensemble de Noël dans un mois. Dans un mois. Et oui, c'est pas tout de suite, dans un mois. Et donc, je suis trop pressée de faire la décoration avec vous, mes abonnés. Donc, voilà. Donc, là, on parle du sérieux. Je vais identifier acheter ce rêve le bleu parce que c'est grâce à ce rêve le bleu qu'elle m'a fait une dinguerie. Une dinguerie. Mais what the fuck? Au mois de septembre, il met des calendriers d'avant, que ça a été déjà fait. Fin septembre. Fin septembre, je vous jure. Et là, ils ont remis un gros stock de deux catégories de calendriers d'avant. Mais what the fuck? What the fuck? Donc là, c'est un calendrier d'avant de spa. De spa. Donc je vous fais montrer, pas très près, mais il y a plein de catégories de spa. De spa. Et vraiment, j'ai hâte qu'on puisse le crash tester au mois de décembre. Alors, décembre. Donc si vous voulez avoir ce calendrier d'avant de spa à Action, je vous mets juste le prix ici, là, de spa, et il y a 25 cases. Alors, c'est écrit spa exclusive
Hashtag Twix ou Seed the Box. The Box. The Box. Et. Ah oui. J'ai pas voulu tout dire, mais je suis contente et on va l'inclure sur le meuble qui est à côté que je vous ai fait montrer. Comme ça, on va le poser comme ça. Et chaque fois que je fais une vidéo et ou chaque jour, je vous fais montrer quel jour j'ai reçu comme produit. Et voilà. Si vous voulez qu'on fasse un crash test, il n'y a pas de problème. Avec ces produits-là, plus tard, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et ils ont mis ce calendrier d'avant, celui-ci aussi. Mais là, c'est de la marque Max More. Mais what the fuck? Ils ont mis la marque Max More. La marque Max More. Des articles de Max More. Je suis choquée. La marque Max More, regardez. C'est écrit Max More. Calendrier de luxe beauty. De la beauté. What the fuck? Et en plus, vous avez là, regardez. Non mais what the fuck? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, entre 24. Il y en a 24. Hein. 24. Et là, je suis trop pressée de l'ouvrir aussi. Donc, je vais vous le mettre le prix ici. Et je vais vous faire remontrer. Il y a le calendrier d'avant de Max More Action. Allez, vite, le chercher, les filles et les garçons, si vous voulez, vous souhaitez ouvrir ça à votre femme avant Noël. Allez, vite, le chercher. Parce que là, c'est rupture illimitée à Action. Et c'est là, allez chercher le calendrier d'avant de Spa. Allez, vite, le chercher à Action avant que la rupture de stock. Les filles et les hommes, pour aller offrir ça à vos femmes et à votre petite copine, la famille, vos mamies, vos tatas, toutes les filles dans vos familles. Voilà, allez le récupérer avant de stock. Et je vous fais un max de gros bisous. Bye bye, Santa you. Bisous.